après la raclée qu'on vous a mis en passé, ça t'a pas donné l'envie de changer d'air? La raclée? Non mais tu veux rigoler. Ta bande de pingouins face à ma bande de pyrénéens. Non mais sérieusement, au final, tu sais très bien que j'avais plus de boutons. Alors d'abord, ma bande, elle s'appelle les Aquitains. Et puis ta bande de pyrénéens, tu devrais les rebaptiser en des guignols. Parce que je te rappelle, pour info, les boutons, pour la plupart, vous les avez volés. Et ça, c'est pas correct, tu le sais très bien. Mais il n'y a jamais eu de règlement. Tous les coups sont permis. Nos vieux se faisaient déjà leur guerre à eux. Et crois-moi, mon père me l'a toujours dit, la fin justifie les moyens, et la tricherie en fait partie. Et ben justement, on peut faire évoluer notre bonne vieille guerre des boutons, la nôtre. Et tu penses à quoi? Bah plutôt que de se foutre sur la gueule et de se piquer les boutons, surtout que sur les fringues, il y en a de moins en moins, soyons modernes, on sait un Koh-Lanta Junior. Un Koh-Lanta Junior? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah en fait, chaque bande lance un défi sportif à l'autre, on compte les points, et le vainqueur gagne le titre. D'accord, j'en parle à mon groupe. Si c'est ok, rendez-vous demain dans la forêt à l'endroit habituel. Et puisque c'est ton idée, je te laisse lancer le premier défi. Alors à demain, pour moi c'est déjà réglé. Je décide et mon groupe suit. Bon bah alors, au revoir les guignols. C'est ça, salut. Alors, vous êtes prêts à relever le défi? Si tu nous expliquais d'abord de quoi il s'agit, on pourrait peut-être te répondre, tu crois pas? Je vous propose de commencer par un douanier contrebandier. Oui mais d'accord, mais c'est quoi ton douanier contrebandier? Deux équipes. L'une contrebandier, elle doit passer des billets qu'elle doit remettre à leur chef. Mais l'équipe des douaniers doit les attraper pour les en empêcher. Bon d'accord, et les billets, on peut se les planquer sur soi j'imagine. Et dans les sous-vêtements on a le droit? Mais non imbécile! Pas dans les sous-vêtements je suppose. Alors pas de fouille au corps, on est bien d'accord. Sinon ça va finir à la gifle. Excellent film, Lino Ventura avec Adjani. Mais de quoi tu parles? Non, rien, c'est juste une association d'idées, vu que je suis passionnée de cinéma. Tiens, ça me donne une idée géniale. Ah oui, et pour le règlement, bien sûr, on planque pas les billets dans les sous-vêtements. Hein. Et on limite le temps de fouille à 1 minute. Naturellement, seules les filles ont le droit de fouiller une autre fille. On n'est pas des pervers quand même. Mais ça tombe bien, je compte très bien. On n'est pas des tricheurs, nous, contrairement à certains. J'ai pas oublié nos petites histoires de l'année dernière. Alors, à ta place, je me ferai plus discret. Alors comment faire? Comment être sûr que personne ne va tricher? Moi, je propose que des adultes parmi nos parents jouent les arbitres. En tous les cas, pas des parents de chez eux. Ils trichent depuis qu'ils sont gamins. Mon père m'a raconté de belles anecdotes sur vos vieux. Ouais, et moi aussi j'en sais des choses. Franchement, y a pas de quoi être fier. Ton père est un tricheur, et ça, je le tiens de mon père qui connaît très bien le tien. Pourquoi voulez-vous disputer? Si j'avais su, je serais pas venue. Hé petit Gibus, on se refait pas la guerre des boutons cette année, hein. Faut te mettre à la page. Koh-Lanta. Va voir ta mère qu'elle aille te moucher. Tu nous fais quoi là? Mais t'as même pas encore mué mon pauvre garçon. Bon ça va, on se calme, on va en rester là. Et régler nos comptes en toute loyauté au douanier contrebandier. Alors, on est d'accord? En toute loyauté? Avec vous? La blague. Ça va. Bon, comment on s'organise? Deux manches, d'une heure chacune. On commence, nous, à être les douaniers, puis on change. L'équipe qui ramasse le plus de billets remporte l'épreuve. Et pour les limites du terrain de jeu? C'est tout simple, de barrière à barrière, vous prenez celle qui ferme le sentier côté route, et nous, la barrière côté camping. Ah, dernier point, un seul billet par passage. Je donne le signal du départ par un coup de sifflet. Tenez vos billets. Et qui réceptionne les billets? Mais personne, on met juste une boîte et chacun pose son billet à l'intérieur. Une question. On est bien d'accord, une fois qu'on a été fouillé une fois, on peut aller tranquillement déposer son billet sans être fouillé une deuxième fois. Bah évidemment, t'es débile ou tu le fais exprès? Bon ça va, t'es pas obligé d'être désagréable. Tu sembles oublier qu'il connaît pas vos règles. Alors remballe ton animosité et ton antipathie. La rancœur ne fera qu'alimenter un feu à ton fort intérieur. Bon ça va, tes leçons de savoir-vivre, tu peux te les garder hein. Non mais un toit en dessous, je te prie. Je ne pense pas t'avoir ennuyé au point de te mettre dans cet état. Ça va, on va pas se refaire la guerre. Cette année, on règle nos comptes avec des épreuves. Bah alors qu'est-ce qu'on attend? On le commence ce fichu douanier contrebandier? Non Kevin, on ne triche pas. On s'est engagé à respecter les règles. Tu planques ton billet ailleurs.
Mais comment veux-tu qu'ils le sachent? Ils en sauront rien. Arrête de faire du zèle. Elle, c'est la chef. Alors si tu veux rester dans la bande, oublie l'idée, pigé. Fais comme moi. Plein de billets dans les chaussures. C'est une bonne cachette, je t'assure. Oui, mais toi, t'es plus jeune. Alors ils mettront moins de temps à te fouiller. C'est sûr que pour toi, c'est plus facile. Comment ça? Justement, t'es plus jeune à la bande. Ils vont pas faire grand-chose avec toi. Justement, c'est un avantage. Faudrait lui faire passer plus de billets. C'est pas bête, ça. Bon, en attendant que le vice va surveiller, on sait jamais. Qui nous espionne pas. Bon, je vous laisse, je vais me mettre en place. Si jamais vous vous faites rattraper, le mieux, c'est de jouer la montre, vu qu'on s'est mis d'accord sur 25 secondes de fouille maxi. Bonne chance. Allez, viens jouer, c'est un super jeu, tu sais, le douanier contrebandier. Ça plaît aux jeunes, en principe. On se court après, on se cache. Mais je m'en fous de ton jeu des mille. Ça m'intéresse plus, vu que je peux pas cacher mes billets comme je veux. Écoute, tu essayes un peu, juste un petit quart d'heure, et si vraiment ça te plaît pas, je te fiche la paix et je te laisse t'ennuyer tout seul, d'accord? Ça marche comme ça? Tu l'as dit, fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille, ok? Mais je te promets, tu vas adorer, t'as ma parole. Allez, viens, pour me faire plaisir. Lâche-moi, je te mange jusqu'au sang! Écoute, les grands jeux de plein air, c'est pour les enfants. Si t'es normal, tu dois aimer. Rassure-moi, t'es pas débile. Alors, normalement, tu dois aimer jouer au douanier contrebandier. Mais voilà, toi, tu veux pas. Tu veux que je te dise? T'es le roi des emmerdeurs. Un chieur qui a décidé d'emmerder tout le monde. Un petit merdeux qui prend la tête, d'accord? Très bien, reste là, prends racine. Reste tout seul dans ton petit coin. Tu me gonfles, tu comprends ça? Tu me gonfles. Et t'es qu'un petit menteur qui fait croire à tout le monde que t'aimes pas jouer alors que t'en crèves d'envie. Mais non, c'est mieux de mentir à tout le monde. Petit menteur, menteur, Pinocchio. Petit menteur, regarde ton excellence. Le roi des emmerdeurs. Ça va, Pinocchio. Ça va. Bien joué, allez. Tu me gonfles. Il en a plus. Y'a plus de billets? Ah, mais c'est nul, y'a plus personne. Y'a plus de billets? Y'a plus personne. Quand vous attrapez une fille, appelez-nous. Ouais, mais là, et puis, en plus, il y avait un bâton. Mais attends, une fille qui est passée à côté de lui, c'est comme ça. Bientôt arrivé, alors. Moi, je dis. Moi, je pense que vous parlez là-bas. De celui qui a le t-shirt. Allez par là-bas. Allez par là-bas. Y en a qui vont par là-bas. Non, moi, je vais bien les avoir tout frais. Comme ça, on vous laisse les filles vers derrière. Le plus simple, c'est de nous dire où vous avez caché vos billets. Sans quoi, nous avons les moyens de vous faire parler. Vous avez 25 secondes pour la fouille, pas une seconde de plus. Je connais le règlement. Et ça tombe bien, je compte très bien. Ça va, arrêtez de nous prendre la tête avec le règlement. On le connaît vu que c'est nous qui l'appliquons. Allez, arrêtez de nous faire perdre notre temps. Chaussures, chaussettes et t-shirts, et que ça saute. Et j'espère que vous n'avez pas triché, pas dans les sous-vêtements. On n'est pas les tricheurs, nous, contrairement à certains. La 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 la
Écoute, je te donne un bonbon et tu m'oublies. Rends-moi mon billet et tiens, prends ce bonbon. On m'achète pas, moi. T'as les boules parce que j'ai trouvé ton billet? Quand je vais passer douanier, tu n'auras pas la moindre chance. Ça, c'est ce qu'on verra. Et c'est vite dit, je suis une véritable petite souris, tu sais. C'est ça, rigole, tu rigoleras moins tout à l'heure. Dommage, ils sont super, ces bonbons. Merci pour le billet. Et au fait, j'ai réfléchi, les bonbons, c'est pas bon pour les dents. Moi, je t'y vais. Bon, ça va, tu vas pas me fouiller pendant 2 heures, puisque je te dis que je l'ai perdu en cours de route. Et je suis censée te croire, tu te fous de ma gueule, là. Allez, dis-moi où t'as planqué ton billet, on n'en parle plus. Non, mais je rêve. Et même si je l'avais, ce qui n'est pas le cas, jamais je te le dirai. Enfin, réfléchis. Enfin, si tu peux. T'es comme ta mère, toujours à raconter des histoires. Laisse ma mère en dehors de tout ça. Et je peux savoir d'où te vient cette information? Mais de ma mère, elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle se connaît depuis qu'elles sont toutes petites. Ma mère, elle raconte autant d'histoires que la tienne. Mais enfin la tienne, puisque la mienne, vu qu'elle est concierge, ça explique tout. Ah bon? Et la tienne, elle est coiffeuse. Les coiffeuses, elles passent leur temps à papoter, à tailler en quatre n'importe qui. Au lieu de débiter de telles sottises, tu ferais mieux de t'activer, ma vieille. D'accord, enlève tes chaussures et les chaussettes. T'as intérêt à te manier? Il te reste 20 secondes, je compte. D'accord, enlève tes chaussures. 19, 18, 17... Terminé, messieurs, vous êtes cuits. Plus la peine de courir. Espèce de débile! Si tu m'étais pas rentré dedans, il serait encore à nous courir derrière. Tu peux pas faire gaffe, non? Oh, ça va, j'ai pas fait exprès. J'ai buté dans une racine et j'ai perdu l'équilibre. Et puis de toute façon, tu courais trop près de moi, c'est de ta faute. C'est de ma faute. Elle est bien bonne, celle-là. Pauvre tâche. Ah non, je te rappelle que c'est la tâche sans tâche qui tâche. Très marrant. Je trouve pas c'était drôle, franchement. Allez, 25 secondes de fouille, comme le règlement nous y autorise dans le douanier contrebandier. En caleçon. Non, mais c'est pas bien. Il manquerait plus de ça. Et ma dignité, alors? Discute pas. Fais ce qu'il te demande. Remarquez, il y a une meilleure solution. Vous gardez votre dignité et vous nous passez vos billets. Ainsi, tout le monde est gagnant. Ok, tenez mon billet. Et pour mon cher cousin, c'est dans les chaussettes. Eh bien, voilà un garçon intelligent qui nous fait pas perdre notre temps. Bravo, cousin. À la moindre menace, tu cèdes. T'es en calage de bain d'une tâche. Sans tâche qui tâche. Tenez ce billet et tirez-vous. Mais oui, monseigneur, à votre service. Lâche-moi, c'est bon. D'abord, faut que ce soit une fille qui me fouille. T'es gentil, je connais les règlements. Mais bon, en même temps, tu pourrais, disons, gagner du temps en me donnant ton billet. De toute manière, t'as juste à me donner tes chaussures, tes chaussettes. Et là, no problemo, c'est pas une fouille corps, pas besoin de fille. Hein. Tiens, trouve le billet, c'était malin. Mais bon, d'après ce qu'on m'a dit, t'as pas inventé le fil à couper le beurre, bonhomme. Oh, ça va, c'est pas parce que je t'ai attrapé que tu dois être désagréable, hein. Faut savoir être bonne perdante, tu sais. Et puis, c'est qu'un jeu, hein. Entre nous, moi aussi j'ai des infos sur toi. Il paraît que t'es incapable de garder un mec. C'est parce que je suis difficile, je prends pas le premier venu. Je ne m'intéresse qu'à des garçons beaux et intelligents. Tu comprends, j'espère. Bon, en même temps, je comprends que t'essayes de m'embrouiller, mais... désolée, ça marche pas. Et puis si tu trouves pas chaussures à ton pied à propos de garçon, c'est dommage. Merci pour ton billet, hein. Je suis peut-être pas DiCaprio enfant, mais je suis là d'être idiot, tu sais. Ça c'est sûr, t'es pas DiCaprio enfant. Personnellement, je préfère Brad Pitt. Bon, tu me laisses mon billet et puis quand moi je passe douanier, je ferme les yeux sur l'un des passages. Qu'en dis-tu? C'est honnête, non? Non mais tu plaisantes? Tu crois vraiment que je vais te faire confiance? Non seulement t'es désagréable et désolée de te dire, très naïve. C'est consternant. Tu veux que je te dise une chose? Non merci, j'ai le sentiment que ça va pas être très agréable. Je me trompe? Tu n'es qu'un imbécile, et tu devrais savoir qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bon, dépêche-toi, décide-toi, je viens d'entendre le coup de sifflet. Alors tu dois avoir raison, je suis qu'un imbécile, à tout à l'heure. Pauvre type, t'as intérêt à courir vite parce qu'on va pas te lâcher, imbécile! C'est ça, parle à ma tête, mes jambes sont très en forme. Hein. Alex, 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 regarde, j'ai trouvé un billet, et de 500 en plus! C'est bien, tu l'as pris à qui? À personne, j'ai trouvé par terre. Mais je suis maligne, moi. J'ai remarqué qu'ils laissent tomber exprès leur billet par terre avant d'être rattrapés. Alors là, bravo. Oh tiens, comment on se retrouve? Pas trop déçu, on est en fin de partie, tu te fais attraper. Ça va, t'es content? Allez, dépêche-toi, t'as 20 secondes. D'abord, c'est 25 secondes. Et si t'es pressé, donne-moi ton billet. Non, mais tu rêves. Tu peux toujours courir. Si tu veux le billet, faut d'abord que tu le trouves. J'ai pas besoin de courir puisqu'il suffit de bien se cacher. Et bon, j'ai compris, puisque tu veux pas m'aider. Tes chaussures, tes chaussettes. Oh,
Tiens, quelle bonne surprise, un billet de 500. Merci beaucoup. Fais pas le malin. Tu verras quand je vais devenir douanier à mon tour. Je vais pas te rater, crois-moi. Dis-moi, j'espère que c'est ton seul billet. Tu sais, tu n'as droit qu'à un seul billet par passage. Tu ne triches pas, j'espère. Pourquoi je tricherais, contrairement à d'autres? On se comprend, j'espère. Hein. Mais on n'est pas des tricheurs, nous. Mais par contre, je comprends ta colère, ta déception. Courir comme tu fais avec tant de bonne volonté et se faire attraper si près du but, quelle déception. T'es pas trop déçu? Oui, je suis déçue, mais pas parce que tu m'as attrapé. Ah, tu as entendu le coup de sifflet comme moi? On va voir si tu fais aussi la maligne quand tu seras contrebandier. Tu verras, je veux pas te rater. C'est ça, cause toujours, tu m'intéresses. Et au fait, merci pour le billet. Cette année, le Brésil gagne la Coupe du Monde. J'en fais mes favoris. On est les champions alors, on a les mêmes couleurs jaunes que le Brésil. Je te parie 3 Kinder d'or de Mars. Tu veux jouer? Moi, je parie que c'est nous, la France, qui allons gagner la Coupe du Monde. Hé, hey, petit, réveille-toi. Il y a plus d'équipe de France. Ils sont déjà rentrés à la maison. Attends, t'as le même âge que moi. T'es pas sympa. Si j'avais su, je serais pas venu jouer au foot avec toi. Écoute, ça sert à rien de discuter. Je suis chef, point. On va pas recommencer comme les années précédentes. Hein. La petite guerre à coups de bâton dans les bois, terminée. Je te rappelle que l'année dernière, on a eu gros pépins. Attends, 2 points de suture pour ce pauvre Kevin. C'était pas bien méchant. Et puis, mon père, il dit que c'est pro-sportif. C'est pas dans l'esprit de la tradition familiale. Eux, de leur temps, ils vivaient une vraie guerre des boutons. C'était plus cool. Il faut vivre avec son temps. Hein. On est en 2014, plus dans les années 60, 70, 80. Faut savoir renouveler les traditions. Et aujourd'hui, les grands jeux, les défis sportifs, bah, c'est plus moderne que la guerre des clochers de nos parents. Hein. Allez, juste une épreuve qui se rapproche de nos grandes guerres de l'an passé. C'était plus cool d'arracher des boutons, d'attacher aux arbres. C'est dommage. Allez, juste une. Bon, je vais y réfléchir, je te promets rien. Mais là, sois gentil, arrête de me prendre la tête. Déjà que j'ai une foutue migraine depuis ce matin. Ça vous fait marrer? J'ai clair, net et précis. C'est qui? Ça va, c'est juste un concours de jonglage. Je veux pas savoir, sinon c'est tout le groupe qui trinque. C'est qui? C'est moi, c'est parce que j'arrive pas à contrer ma force. Bon, ça va, c'est pas bien grave, faut leur la paix. Je te remercie de ton aide, viens là devant. Il y a des règles au sein d'une équipe. Une des plus importantes, ne jamais se contredire devant les autres. Tu comprends, c'est antipédagogique. À la réunion de ce soir, on en reparlera. Mais je voulais pas te contredire, au contraire, t'aider. Je te sens un peu tendue depuis ce matin. Oui, je suis tendue, mais j'ai surtout mal au crâne. Tu vois, j'ai à peine 14 ans et je dois diriger tout notre groupe. Alors j'ai besoin qu'on me soutienne, pas qu'on me prenne la tête. Je suis désolée, j'arrive pas à doser ma force. Tu l'as fait exprès? Ah, tu sais pas doser? On va s'expliquer. Nouvelle épreuve. Tu vas prévenir ton équipe et on va vous défier sur une partie de foot. Vous dans vos couleurs de poussin et nous dans notre rouge de colère. Dans une heure, on va voir si tu sais doser. Allez, dégage. Ah oui, j'ai envie d'aller bien. Oh, le foot. Ils savent parler que de ça. Pauvre garçon, bonjour le niveau. Moi, je dois supporter un père qui supporte l'Olympique de Marseille et un grand frère qui supporte le PSG. Je te raconte pas l'ambiance qu'il y a à la maison les soirs de match. C'est du n'importe quoi. En plus, il y a la Coupe du Monde de foot à la télé. Plus moyen de regarder Joséphine Ange Gardien. Et moi, j'arrive plus à suivre Secret Story. Je suis dégoûtée. Comment peut-on déprogrammer une telle émission? Ouais, t'as raison, moi aussi j'ai le même problème avec ma série Unforgettable. Avec ces foutues matchs, tous les épisodes sont reportés. Ah, c'est marrant, moi aussi je regarde cette série, enfin en replay sur mon ordi. Normalement, j'ai pas le droit, mais bon. Et au fait, Carrie et elle ont retrouvé l'assassin de cette femme retrouvée sur la plage? À mon avis, c'est un tueur en série. Mais c'est hyper violent comme série. Regarde plutôt, tiens, Secret Story. C'est vachement plus reposant. Et là, au moins, t'as pas besoin de réfléchir. Non, ça c'est sûr, tu risques pas la surchauffe au niveau du cerveau. Mais toi, Alice, c'est hyper violent cette série. Tes parents t'autorisent? Tu nous fais une blague, c'est pas possible. Et d'ailleurs, si t'es si forte, c'est qui Carrie et Al? Les agents du FBI, tu vois, je sais. Moi, je crois qu'elle nous fait marcher. C'est son frère qui lui a parlé de la série. D'abord, on dit FBI, mais c'est trop violent. Vaut mieux que tu regardes Joséphine Ange Gardien. Ça, c'est bien pour toi. C'est beau et c'est magique. Mais tu sais, Alice, faut pas regarder n'importe quoi à l'âge que t'as. Ça peut être traumatisant. Oh, ça va, maman. Je regarde ce que je veux, ok?
Non, justement, à l'âge que tu as, une telle série pourrait te troubler. Regarde plutôt, tiens, Secret Story par exemple. Bon, ça va, tu vas pas nous gonfler avec ce programme débile. Mais tu sais, on te dit ça pour t'éviter d'avoir des nuits difficiles avec tous ces meurtres, ces horreurs. Mais tes parents te laissent vraiment regarder? Ils sont vraiment trop cool avec toi. Déjà, moi, c'est limite, il faut que je leur ramène des super notes. Et encore, c'est parce qu'ils les enregistrent, ils les regardent avant et seulement après, j'ai le droit de les regarder. Et encore, c'est uniquement le week-end. Bon, ça va, tu vas pas me raconter ta vie non plus. Bah, après tout, c'est ton problème. Non, Colline, Ox, ça n'existe pas. Bon, d'accord, ça t'aurait fait 30 points avec le mot compte triple, mais ça n'existe pas. Xo non plus, d'ailleurs. De toute façon, Colline, c'est sûr qu'avec ta gueule, on peut pas aller bien loin. Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais non, je disais juste que t'avais mis gueule en travers du jeu et que ça bloquait tout le monde. Tu fais de l'anti-jeu, Lucie. C'est à chaque fois la même chose. Allez, joue, Calvin, qu'est-ce que t'attends? Abruti? Non, insulté. Bah t'en enlèves un. Bon sang, il me manque un M et un T, je faisais un super mot. Ah, flûte, avec le M et le T, je faisais limité avec la gueule à Colline. Et Jerry? Algérie. Et Jerry? Ah, si, si, je sais ce que ça veut dire. Bon, je ne l'emploie pas tous les jours. Bon, bah ça va, tu vas pas nous faire un compte français non plus. Tu ferais mieux d'essayer d'épater tes profs plutôt que tes amis. Rien, rien, je ne veux rien dire. Compte tes points. 12 points. Eh oui, les filles. Allez, à Colline. Ouh, on est là. Kawax? Tu peux nous rappeler la définition de Kawax, Colline? Ah oui, t'as de très belles lettres dans ton mot. Mais la deuxième condition du scrap, c'est que ça veut dire quelque chose. C'est très chiant, je te l'accorde, mais ça rend la partie un tout petit peu plus intéressante. Kawax, ça n'existe pas. Oui, bah tu te l'as peut-être entendu pendant tes vacances à Dakar. Je ne sais pas, peut-être que ça veut dire... Quelle heure est-il en sénégalais? Mais en tout cas, en français, ça ne veut rien dire. Vous croyez que c'est drôle pour elle? Elle joue au scrap et finalement, elle se rend compte qu'elle parle mieux sénégalais que français. Oh, on peut rire un peu, non? Ah ah, très marrant. Mais je suis pas nulle. Bah dites-le que je suis pas nulle. Mais non, t'es pas nulle. Tu vois, même eux, ils le disent. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces lettres? Eh bah... Waker. W-A-K-E-R. Quoi? Waker, mais bien sûr que ça existe, que vu la ferme. Waker, ça désigne un objet, qui n'existe plus d'ailleurs. Mais le mot existe toujours. T'as jamais entendu l'expression « fier comme un Waker » Non? Bon d'accord, mets tes mots et compte tes points. On est à combien? Toi 80, Lucie 60, moi 50 et Colline 20. Bah, tu vois, c'est génial, tu rattrapes tout le monde. Moi par contre, j'ai moins que Lucie. Bon. Non, menteuse, ça s'écrit pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on t'a appris quand t'étais au primaire? Bon, à moi. J'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant. Il faut que ça change. Bon, je change toutes mes lettres. Mais t'as le droit de faire ça? Si, j'ai le droit. Tu vas pas m'apprendre les règles du Scrabble. Je change toutes mes lettres. Et je joue. Oui, mais d'abord, tu passes ton tour. C'est ça les règles. Non, je ne passe pas mon tour. Non, je ne suis pas obligée de passer mon tour. Non, non, ça fait 5 ans que je joue au Scrabble et je n'ai jamais passé mon tour quand j'ai changé mes lettres. C'est une tricherie, Henriette. T'as peut-être des chances. Ça me fait beaucoup de peine ce que tu me dis là. Colline, avec ton Waker, tu l'as merveilleuse. D'accord, je passe mon tour. À toi, Kelvin. Peut-être que je triche, mais moi, en tout cas, mon brevet, je l'ai eu du premier coup. Ça n'a aucun rapport, c'est pour parler. J'ai horreur qu'on me traite de tricheuse. Mais vas-y, joue, joue. Mets-nous un de tes mots barbares. Alors Colline, dans la série J'invente des mots, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Typhon? Mais tu sais que ça existe? C'est génial ça, Colline! C'est ça, fous-toi de moi! Et toi, c'est quoi ton nouveau mot? Crétin, débile, taré? Oui, je suis de mauvaise humeur, oui! D'ailleurs, si vous continuez à m'emmerder, je sens que je vais tout envoyer balader! D'ailleurs, je vais faire maintenant! Regardez vos lettres! Ah, il est beau le Scrabble, hein! Bon, bonne journée, moi je vais me baigner! Qu'est-ce qu'elle est susceptible? Ça, c'est infaisable au Scrabble! Bon, on pourra jamais la finir cette partie. Venez, on va se baigner. Put your flags up in the sky, put them in the sky. Ain't got no side to side, side to side. Show the world where you're from.
Désolée, j'arrive pas à contrôler ma force. Ça va? T'as pas trop mal? Enfoiré, va. J'en ai marre de prendre le ballon en pleine figure. Si j'avais su, je serais pas venu. Je sais rien, ça fait mal sur le moment. Après, on n'y pense plus. Faut rester zen. Merde, vous pouvez pas faire gaffe! Oh, à toi la ferme! Eh, on se calme, c'est pas parce qu'il est jeune qu'il faut t'énerver sur lui, hein! J'ai rien demandé à toi, ok? Je déclare notre jeu Aventura ouvert! Que le meilleur gagne, sans tricherie et dans un bon esprit! Et je déclare au nom de l'équipe que nous relevons votre défi! Et j'ajouterai que notre guerre des colons nouvelle version soit honorable et conforme à une bonne déontologie qui exclut tout acte malveillant! J'ai pas tout compris, mais qu'est-ce que c'est bien dit? Moi j'ai tout compris jusqu'à tontologie. Après, j'ai tout décroché. Mais bon, le truc c'est qu'on s'amuse. Et qu'on les batte surtout! Ouais, t'as raison! Dis-moi, qui a fait les duos? Moi, pourquoi? Parce que j'arrête pas de perdre. Et alors, c'est pas important ça, en plus t'as 3 épreuves pour te refaire. C'est pas important pour toi, mais moi, comment veux-tu que je gagne avec cette petite? Elle est pas bien, et moi non plus d'ailleurs. Allez, c'est qu'un jeu. Il a bon dos, Emma, il est toujours content. Alors on a qu'à lui refiler la petite. N'importe quoi. Non mais tu vas pas non plus enlever son bandeau, comme ça sera plus facile, espèce de tricheur. De quoi tu parles? Tu sais très bien, on dirait son partenaire avec la voix, pas avec les mains. D'ailleurs, je suis là pour donner un coup de main au partenaire, non? Tu comprends, humour, remorque, avec un quai de mouette, je peux comprendre, tu t'es du mal à percuter. Hein. C'est ce qu'elle te dit la mouette? Va te faire cuire un œuf, et surtout pas une mouette, c'est très indigeste, je te le déconseille fortement. Non mais t'as intérêt de baisser un ton là, sinon ton mec, je vais fermer moi. Ah bon, viens, je vais t'apprendre la politesse moi. T'es incapable de rouler la bouche sans traiter les autres. Eh oh, on va pas se refaire la guerre! Si vous voulez vous expliquer, c'est dans les épreuves, ok? À droite! Oui, oui, vas-y, viens! We'll be right back.
non, t'as pas le droit. C'est pas loyal, ça. Mais si, j'ai le droit. Ça s'appelle une ruse. Et tu t'es fait avoir, pauvre idiote. T'es qu'une tricheuse. Ton père me l'a déjà dit. Ta mère trichait à chaque fois quand tu faisais la guerre. T'es bien sa fille. Ça, y a pas de doute. Toi, avec ton père, t'as pas hésité à voler le trésor de tous les boutons gagnés sur le champ de bataille. J'aurais honte à ta place. C'est du vol. En temps de guerre, c'est légal. Hé, hey, t'as pas le droit, je vais le dire. C'est pas juste. T'as l'habitude de ce jeu. Avec ton expérience, je veux pas faire un pli. Mais c'est pas une épreuve où l'expérience compte. T'as toutes tes chances contre moi. Attends, c'est juste un jeton à trouver avec la bouche dans de la farine. T'as une plus grande bouche que moi. D'ailleurs, rien que t'entendre parler, ça se voit. Ça crève les yeux et les tympans. Dis-moi, dans la série, je dis des grosses conneries. Je pense que t'as déjà gagné. Bon, ça va, on y va. 3, 2, 1, partez! Bah voyons, faut pas se gêner surtout. Mais vas-y, rajoute des pièces, comme ça t'es sûr qu'il en attrapera une. Bah attends, il est plus jeune, faut l'aider un peu quand même. La règle, c'est la même pour tout le monde. T'es pas d'accord, Gabriel? Ben moi, ça me gêne pas qu'il rajoute des pièces. Tu m'étonnes, ça risque pas de te déranger, c'est sûr. Bon ça va, on va pas se disputer pour ça, hein. Il a juste voulu l'aider, histoire d'équilibrer. Tu vois ton problème, c'est que t'es juge et parti. Mais pourquoi tu dois partir? Toi tu commences sérieusement à me gonfler, tu le sais ça? Et je suis pas le seul à le penser. Et toi, tu sais ce que tu es? Une gueule d'enfariné! 3, 2, 1, partez! Allez, Lisa, courage! Allez, Lisa, allez, allez, Lisa, allez, Lisa, allez, Lisa, allez, Lisa, allez, Lisa. Ça va, tu me lâches maintenant, c'est bon quoi. Oh, ça va, on s'amuse là, y a pas de drame, on se défoule quoi. T'es roulou comme fille. Tiens, mon chat, tu le prends pas mal j'espère, on s'amuse quoi. Elle est à ton goût, pas trop salée? Non, ça va, je la trouve même un peu trop sucrée à mon goût. Tu vois, moi, je sais m'amuser, j'ai de l'esprit. Alors t'es gentille, t'arroses plus large, ok? Mais moi, elle est dingue, je les soigne, je leur fais une bonne ordonnance et une sévère. Je vais te montrer qui c'est Axel. Tiens, mange ça. Mais qu'est-ce qu'elle lui trouve? Normalement, les mecs, ça devait pas être un problème pour nous. Normalement, non. Mais pour nous, si. Qu'est-ce qu'on a contre les autres? Ah, on a rien de moins. On a même plutôt plus. Mais ce qu'on a en plus, c'est trop. Oui, mais on est habillé à la mode. À la mode? Ouais. Mais de quelle année? That is the question. Mais attends, ça va, tu parles pour toi, là? Ça compte pas ça, l'apparence. Un mec il juge pas là-dessus. Il est plus intelligent que ça, non? Ouais, n'empêche que l'autre fois pour la soirée boom, il y en a pas un qui t'a adressé la parole. Dimanche quand j'avais vu ma belle tenue? Belle tenue, c'est vite dit. C'était quand même limite ridicule. C'est moins qu'on puisse dire. Celle en velours orange avec ta chemise à jabot et tes chaussures à haut talon. C'était une soirée à thème, un peu carnaval quoi. Les mecs, s'ils venaient pas me parler, c'est parce qu'ils n'osaient pas, ils étaient impressionnés. Ah bah faut dire que t'étais impressionnante. Hein. C'est sûr. Et vous, vous en avez eu beaucoup de mecs? Non, mais c'est parce que je suis très difficile. Et moi, exigeante sur la qualité physique et intellectuelle. Une belle petite gueule, dans une tête bien faite. Pourtant, moi je suis pas difficile et j'en ai pas eu beaucoup non plus. Et puis moi, j'ai un truc. Quand je rencontre un mec, je lui fais sentir qu'il doit pas s'intéresser à moi. Ça marche? Ouais. Il s'intéresse pas à moi. Et pour la réparation de la douche, vous venez quand? Je vous dis franchement, mon père en a marre d'attendre. Quoi? Mais j'ai parfaitement le droit de vous appeler, hein? Je suis son fils, mon père est absent pour la journée, c'est moi le boss. Alors maniez-vous. Cet après-midi, j'ai des amis qui viennent. Faut que ce soit arrangé. Sans quoi, on trouvera une autre location la prochaine fois.
Bonjour chez vous. Il me semblait que j'avais été claire avec cette fille. Non mais franchement, qu'est-ce que tu y trouves? J'ai fait des sacrifices pour toi. Alors tu prends des distances, t'as compris? C'est vrai, c'est pas sympa ce que tu fais, surtout après ce qu'elle a fait l'année dernière. Arrête, sois pas ridicule, c'est une amie de longue date. Je te rappelle qu'elle était dans notre équipe jusqu'à l'année dernière. C'est pas parce que tu t'es fâchée avec elle l'an passé que je dois l'ignorer, hein. Moi je peux pas la supporter, elle est toujours là à critiquer. Franchement, je sais pas ce que tu y trouves à cette pouffe, et je suis correcte. Ouais, elle est mauvaise, c'est une vraie vipère. D'ailleurs, quand elle parle, il y a sa langue qui sort presque, c'est comme une vipère, quoi. Arrêtez, on est en vacances. Et puis si vous voulez pas la voir, rien ne vous y oblige, hein. Je te préviens, c'est elle ou c'est moi. J'en ai marre de passer après les autres. T'as l'air d'avoir la mémoire courte. Tu te souviens pas de la petite histoire de la boum l'année dernière? Elle faisait que te draguer, à se bouger comme une abeille autour d'un pot de miel. Et toi qui te laissais faire. J'ai supporté l'année dernière, mais je te préviens, si tu recommences, moi je vais voir ailleurs, t'as compris? Ailleurs, et c'est pas les beaux mecs qui meurent dans le coin. Salut. C'est vrai, c'est pas sympa ce que tu fais. T'as pas à sympathiser avec les gens de notre équipe comme ça. Salut. Allez, te fâche pas. On est de la même bande, non? Par hasard votre camping? Pas tout à fait, on est tombé en panne pas loin d'ici, on s'est retrouvé obligé de s'installer ici, il faut de place dans les hôtels. Mais remarque, je regrette rien. Mais comment vous avez fait? Faut réserver vachement à l'avance pour avoir un mobilhome. C'est un certain Jonathan qui nous héberge, mais je crois que vous le connaissez, non? Ah ça, pour le connaître, il est incroyable ce type. Il se fait appeler Jonathan Hollande. Et un bon conseil, ne lui confie jamais un secret. Sans quoi, tout le camping est au courant dans l'heure. Ouais, une fois, j'avais un problème avec mon voisin de mobilhome. Un mec embêtant, quoi. Et ben, il a fini par le savoir. Bonjour, c'est moi, Clovis. Oui, mais bon, c'est un brave type. Et puis, comme ses parents sont absents, il nous dépanne. Et puis, on en profite pour se faire de nouveaux amis. Pourquoi pas un petit copain occasionnel? Et toi, les garçons, tu les aimes comment? Je dirais marrant, assez distingué, avec une bonne éducation, quoi. Et puis, moi, j'aime les filles qui me font rire. Ah, surtout plus important, avec un petit nez, hein. J'adore. Bah ça tombe bien, c'est tout à fait moi ça. Et toi, comment tu préfères les garçons? Ah, moi j'aime bien les garçons, grands, blonds, aux yeux bleus et les cheveux très courts. Le nazi quoi, ça vous dérangerait pas de répondre quand je vous parle? Vous êtes des filles mal élevées et insignifiantes en plus, pourquoi vous adressez la parole? Non mais ça va pas bien à côté. Il a un malaise le foulard jaune. Fait chaud tout d'un coup, je vais aller me baigner. Mais comment peut-on être aussi grossier? Laisse-le, il manque d'éducation. C'est pas sa faute, le pauvre. Alors, on embête les filles comme ça? Ça va, foutez-moi la paix. Mais t'inquiète pas, on va te foutre la paix. On veut juste que tu t'excuses. Pourquoi vous l'embêtez? On fait pas de garde cette année. Il vous a rien fait, Clovis, c'est pas cool. À nous, il nous a rien fait. Mais avec les filles, il a pas été très poli. Et alors, il doit s'excuser. Et puis, on aime pas les gens qui parlent mal de la bouche. Parce que tu te crois marrant? Bouffon, va. Et c'est pas sympa de parler comme ça. Laisse-moi tranquille, sinon je vais le dire à mon père. Il va te faire passer l'envie, tu verras. Alors, on a besoin de son petit papa? Pourquoi tu te débrouilles pas tout seul comme un grand? Vous n'êtes que des lâches. Toi, tu parles trop. Et tu me laisses tranquille, là. Toi, t'arrêtes. Mais il a pas de... Allez,
pourquoi tu lui téléphones pas? À qui? Bah à Kevin, qui d'autre pour savoir si elle est retournée auprès de lui? C'est ça, je lui ai pas parlé depuis 2 jours et je vais lui dire: est-ce que Gigi, que je t'ai piqué, ne serait pas retournée auprès de toi? Au moins tu serais fixée. Moi j'ai appelé Benjamin, je lui ai dit: est-ce que tu es partie avec Cindy? Il a dit oui et il a raccroché. J'étais fixée. Tu veux que je l'appelle? Toi? Oui, j'appelle, je lui dis que je suis une amie de Gigi et que tu sais où je peux la joindre. Et il ne va pas se méfier du tout. J'essaie seulement de t'aider. T'es sympa, mais elle n'est sûrement pas retournée la voir. Ça, t'en sais rien. Mais j'insiste pas. Bonne chance avec Kevin, mais tu devrais te méfier. Parce que c'est un bon parleur et il marche à la Duracell. C'est une marque de pile très efficace de longue durée. Faustine? Oui? Si je te dis exactement ce que tu dois dire, tu es sûre que tu peux le faire? Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que tu prends pour une conne. Que tu veux que je dise? On pourrait se servir du projet de musique qu'ils ont écrit ensemble. Oui. Fais-toi appeler Leblanc, tu dis que tu es la fille du responsable des animations du camping. Oui. En fin de conversation, on trouve sa partenaire pour la chanson. Oui, c'est bien ça. Tu as lu le texte de la chanson et tu es d'accord pour qu'il se produise en spectacle? Oui, c'est bien ça. Et en fin de conversation, on trouve sa partenaire pour la chanson. Quel partenaire? Mais Gigi, je t'ai dit qu'ils ont écrit ce programme de musique ensemble. Mais oui, d'accord, excuse-moi. Ça ne marchera jamais. Mais si, j'ai compris, c'est pas ça, mais j'ai compris. Tu es la fille du responsable des animations du camping. C'est une bonne chanson? Très mauvaise, quelle importance? Si elle est si mauvaise, la chanson, pourquoi j'irai la programmer pour le spectacle? Hein? Faustine, tu n'es pas la fille chargée du programme spectacle. Non. Ce n'est donc pas pour programmer leur chanson débile que tu défends, mais pour savoir où est Gigi. Ah, ça c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est quoi son numéro? Ouais, je vais faire. Il s'appelle juste Kevin. Ah bon, il n'y a pas de nom? Mais si, je viens de dire, juste Kevin. Hein? Faustine, c'est ton nom, c'est juste. Oui. Et ben voilà, lui c'est pareil, c'est juste. Bon, assez discuté. Je vais me débrouiller de mon côté. Je t'en retiens pas, salut. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu me prends pour une conne. Je te préviens, si tu fais une bouffe, ne m'invite pas. Mais comme tu voudras. À mon tour de te dire salut. Et puis bon, j'espère que tu apprécies ton coca en solitaire, salut. Bon allez, réveille-toi là, tu joues comme une brêle. T'es avec moi ou quoi? Oh, excuse-moi, mais là, j'y suis pas. Ok, on fait une pause. Qu'est-ce qui va pas? J'ai trompé mon copain, j'ai fait la connaissance d'un campeur australien. Quoi? Toi aussi un australien? Comment ça? Non, rien. Ça me fait penser qu'il y a beaucoup d'Australiens cette année au camping. Non mais qu'est-ce que t'as fait? Une folie. Je l'ai invité à une boum. Louis était malade, fallait bien que j'y aille avec quelqu'un. Et je suis tombée amoureuse. J'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Et quoi? Tu l'as quand même pas embrassé? Pire, bien pire. Je lui ai donné mon 06. Et alors? C'est pas grave. Tu lui as pas dit au moins? Si, c'est grave. Il arrête pas de m'appeler. Si Louis le découvre, je le perds. Attends, faut savoir, c'est ton Australien ou Louis? T'as fait ton choix? Ou tu me la joues polygamie? C'est Louis que j'aime. Le bel Australien, c'est juste un moment d'égarement. Je suis dégueulasse de lui avoir fait ça. J'arrête pas de me dire que je suis une enfoirée, ça clignote de partout. Écoute, t'as trompé ton copain, il le sait pas, tu regrettes. Tout va bien, t'es une fille bien, it's ok. Allez, on reprend la partie. We'll be right back.
annonce de la plus haute importance à vous faire. D'abord, comme vous le savez, tous ont fini égalité au nombre d'épreuves gagnées. Et puis, pas de grands blessés cette année. Donc, après cette veillée d'adieu, on se partagera tous la récompense. À savoir, un trésor de bons becs financé par les cotisations de tous. Ouais, ouais, ouais. Bon. Demain, c'est le grand jour du départ. Ouh. Et oui, dans quelques heures, notre guéguerre s'est terminée. Ouh. Et oui, je sais, pour vous c'est dur, mais pour nous, ben pour moi surtout, c'est un soulagement. C'est bientôt la rentrée. Ouh. Les profs, les parents, bref, l'angoisse. Ouh. Est-ce que vous voulez un conseil? Ouais. J'ai rien entendu. Est-ce que vous voulez un conseil? Ouais. Alors dernière soirée, profitez-en. Ouais. Je lance le premier jeu de la soirée, la garouche. Ouais. Dis-moi, si on avait fait partie de la même bande, tu serais sortie avec moi? Non, je crois pas, non. Oh, merci. J'apprécie ta franchise. Oh, enfin, bon. C'est dommage pour toi, tu seras jamais le mec exceptionnel que je suis. Enfin, bon. Dis-moi, tout à l'heure, il y a une boum, tu voudras danser avec moi? Non, toujours pas, non. Allez, je rigole, d'accord pour une danse, mais pas un saut. Tiens bon, la vague, et tiens bon, le vent. Il s'est haut, comme Giuliano. Si Dieu... Quoi? Celle-là non plus, vous la connaissez pas? Mais c'est une blague! C'est la plus connue du répertoire! Enfin, Hugo Frey, Santiano, c'est un classique! Mais bien sûr, comment ignorer une telle chanson? Surtout autour d'un feu de camp! Bon, ça va, tu vas pas nous saouler avec ta chanson! Surtout que ce genre de chanson, c'est pour les boy scouts dans ton genre! Non, faut autre chose de plus moderne! Pourrais-je te suggérer que La montagne est belle de Jean Ferrat? On s'en fout de ta montagne! Oh, ça va, tu parles autrement, t'as compris? Mais il peut pas, le pauvre. C'est sa façon à lui de parler. On n'y peut rien. T'as pas quelque chose de plus moderne dans ton répertoire? Je sais pas, des chanteurs vivants? Je tiens à te signaler, jeune fille, que Hugo Frey se porte très bien. Bon, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est autre chose. Dis-moi, je peux t'emprunter ta guitare? Ben oui, pourquoi pas. Pas la tête. Attends, ça fait 5 ans qu'elle joue de la guitare. Bah, moi aussi, hein. Faudrait juste que tu renouvelles un peu ton répertoire. Santiano, ça commence un peu à dater. Mais là, avec Happy de Pharrell Williams, tu peux pas lutter. Tout ça, c'est juste pour impressionner. Ça vaut rien. C'est juste pour se la péter. Il y a 3 accords en boucle et basta. Juliette! Roméo!
parle. Appelle. Juliette. Roméo. C'est quoi ça? Roméo. Alors quoi? C'est un peu nouveau pour toi de jouer avec un garçon de mon niveau. Ouais, c'est nouveau. Alors, c'était comment? Bon, c'était moyen. Moyen quoi? Moyen plus, moyen moins, moyen comment, moyen quoi? Bon, ça va, on va pas en parler pendant toute la nuit. Fallait bien qu'un jour je tombe sur un garçon, c'est tombé sur toi. Bon, j'aurais pu tomber sur pire, mais bon. En fait, je pense que je dois aller m'en chercher un autre. Tu viens dans un service? Franchement, je me sens trop con. Quoi? Bah, va voir Faustine, tu vas lui dire que je la trouve sympa et qu'elle me plaît. Je sais pas, débrouille-toi pour lui dire que j'ai envie de sortir avec elle. Punaise, t'es pénible. Rien, puis j'ai ça. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Ben... Bon, ça va, Aymar, il s'est calmé? Ouais, il s'est calmé. Justement, je voulais te parler, c'est la seule. Tu vois, depuis le début de la semaine, tous les deux, on se marre bien. Enfin, on s'entend bien. Ça va? T'as l'air bizarre. Ah bon? Ben, je suis pas toujours à l'aise. Mais tu vas y arriver. Ouais. Oui? Ben voilà, tu me plais, j'ai envie de sortir avec toi. Bah, je sais pas quoi dire, je vais réfléchir, mais c'est un peu tard là, on s'en va demain. Bon bah pour l'année prochaine alors. Pourquoi pas, mais c'est pas sûr qu'on revienne ici. Bah, tu me promets d'y réfléchir alors. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Tout le monde te cherche. Pourquoi tu restes tout seul? Je veux être seule. Ça va pas? T'as des problèmes? T'as un petit coup de cafard, ça arrive à tout le monde, tu sais. Tu veux en parler? Je sortirai jamais avec une fille. Mais pourquoi tu dis ça? Je me bats que je peux pas aux filles. Les filles, je les intéresse pas. Tu dis des bêtises. Moi, je suis sûre que tu peux plaire. Est-ce que tu es sûre au moins de savoir comment on peut plaire? Tu t'y es peut-être pas pris de la bonne manière. Bah, j'en ai parlé avec Lovis. Il m'a répondu, tu te poses trop de questions. Tu trouves que je te pose trop de questions? Non, c'est bien, ça veut dire que tu t'intéresses, t'es curieux et c'est bon signe. Tu m'as dit pas, je l'aimais pas, je le sens. Je suis lucide, tu sais. Tu racontes n'importe quoi. Tu veux que je te fasse une confidence? Moi, si j'avais eu ton âge, eh ben j'aurais aimé sortir avec toi. C'est vrai? Tu me disais pour me faire plaisir. Ah non, je suis très sérieuse. Mais bon, pas mal. Mais je crois que j'aurais pas accepté. Revoir qu'on reste amis, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. But it kills me every day falling. Tu m'envoies un texto quand t'arrives, histoire d'être assurée. Mais oui, t'inquiète pas. Je voulais te dire, t'as été un très bon leader. Grâce à toi, on n'a pas perdu, merci. On n'a pas gagné non plus. Quelle importance! L'essentiel, c'est qu'on se soit bien amusé, non? T'as bien fait d'accepter les épreuves sportives. Moi, je me suis bien éclatée. Plus d'action, moins de baston, c'est mieux quand même. Au moins cette année on s'est pas foutu sur la gueule. Et on a fait une belle économie de boutons, non? Oui, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que t'en sais, t'étais pas là l'année dernière? Oui, mais mon cousin qui était dans votre bande l'année dernière, eh ben il m'a tout raconté. L'année prochaine, on refait la même bande, d'accord? Moi, c'était ma deuxième année. Et toi Élise, ça fait combien de temps? Il y a 5 ans à peine, il y a 5 ans déjà. Ma mémoire est incertaine, mais mon cœur, lui, n'oublie pas. Un été de porcelaine de plus, un cœur pour la première fois. Qui chavire et se déchaîne et balbutie ses premiers pas. Des étés de porcelaine, j'en ai connu après toi. Sans que jamais ne revienne le goût que tu leur donnas. Un jour j'ai revu la plage, j'ai retrouvé des enfants. Qui comme nous jouaient à leur âge. Le brouillon de leurs 10 ans. Merci, c'est sympa de reprendre une dernière fois les paroles de cette chanson que j'adore. C'est un beau final.
Bon ben, quand faut y aller, hein. On a 10 heures de route. Bon ben, je pense qu'on aura passé une bonne semaine tous ensemble, non? Ouais, j'ai passé une super semaine. Merci beaucoup, Alex. Bon, ça fait la bise. Tu peux m'envoyer un snap quand tu arrives? Ouais, ouais, t'inquiète. Pour moi, ça a été un plaisir de t'avoir comme copain et comme chef de bande. Et puis pour... enfin, tu sais quoi? Merci. Moi, j'ai bien aimé la veillée avec les jeux, là. Surtout le jeu Robineau et Mouillette. Et pourquoi vous rigolez? Bah, parce que ce jeu ne s'appelle pas Robineau et Mouillette. Il s'appelle Roméo et Juliette. Bon bah, l'année prochaine, j'espère, pour une nouvelle guerre des colons. Mais au fait, pourquoi vous appelez ça la guerre des colons? Ah, c'est une longue histoire. C'est à cause de nos parents, parce que quand ils étaient enfants, ils venaient en colonie vacances dans le coin. Et ils jouaient à la guerre des boutons, en s'inspirant d'un film de cette époque. Et ça se passait dans une colonie de vacances, d'où la guerre des colons. Bah, c'était mieux de l'appeler guerre des boutons. Mais pourquoi? Bah, à cause de tous les moustiques qui m'ont piqué. J'ai des tas de boutons. Tu nous auras bien fait rire, toi. Tu vas me manquer. Bon, allez, salut. Je compte sur vous l'année prochaine pour... Une guerre des colons! Mais non, la guerre des boutons! Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Silex, un peu confus. Ton cœur de pyrex, un instant fin. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je suis bien galex.
natation, devant le tennis. Au tennis, on est plus nombreux. Natation, ça reste un sport confidentiel. Non mais n'importe quoi. Écoute mon bonhomme, t'as vu le nombre de reportages à la télé? C'est pas la quantité, c'est la qualité et la passion qui comptent. Mais non, le meilleur sport c'est le judo, j'ai déjà la ceinture jaune. C'est bien mon grand, on est content de l'apprendre. Joue au lieu de raconter ta live. Les gars, en fait, le meilleur sport, eh ben c'est le mien. Ah ouais? C'est quoi ton sport? C'est le rugby. C'est peut-être pas le plus connu, mais c'est celui qui assure le mieux avec Chabal. D'abord, ton Chabal a pris la retraite. Et puis, tu devrais faire gaffe à tes oreilles, ton nez et tout le reste. Jouer au rugby, c'est prendre des coups. Mais non, le meilleur sport, c'est le judo. J'ai déjà la ceinture jaune. Nous, en natation, on a Yannick Amiel et Camille Lacour. Ça vaut bien qu'on te dise non. Et vous, en tennis, vous avez qui pour gagner Roland-Garros? Hélas, personne. Ça fait 31 ans qu'on n'a pas gagné depuis Yalinois. Comment faire face à ce monstre? Enfin, ce champion de Nadal. C'est parce que vos joueurs de tennis sont pas assez agressifs. Nous, on sait ce que c'est le combat. C'est pour ça que vous perdez en ce moment. La blague. Et tiens, prends ça dans ta poire. Eh oh, gamin, c'est à ton chef que tu parles. Sinon, c'est un coup droit que tu vas prendre. Tu te rends compte? Je lui ai demandé de passer des vacances avec moi à Narbonne Plage, où on a une belle villa, et elle a refusé. Mais Cécile aime l'imprévu, et toi, tu prépares tout à l'avance. T'as tout faux, mon vieux. Normal qu'elle ait envie de changer d'air. Oui, résultat, elle m'a planté, et nous voilà la 5e année d'affilée. J'insiste. C'est normal qu'elle ait envie de changer d'air. Mais pourquoi tu râles? C'est sympa ici. Elle m'a juste dit qu'elle voulait faire un break et dire que j'avais tout prévu, randonnée à cheval, bivouac, escalade, et j'avais même songé à une visite au musée. Et vous allez me dire que c'est nul ça? Non mais tu fais toujours les mêmes choses. D'ailleurs, pourquoi vous n'êtes pas avec nous cette année au camping? C'est vrai ça, pourquoi vous êtes à l'hôtel? C'est mieux le camping. C'est à cause de ma mère, elle en avait marre de se taper la lessive, le ménage. Et alors mon père, une fois de plus, il a cédé. Nous, on est de nos mères, au moins. On les laisse pas en galère à tout gérer dans le mobilhome. Et moi, je mets toujours la table. Le couteau à droite, la fourchette à gauche. C'est bien, je suis contente de l'apprendre. Tu vois, si t'avais aidé ta mère, tu serais encore au camping avec nous. Et pour se retrouver avec la bande, ça serait moins compliqué. Quelle importance! Le tout, c'est que notre petite bande soit toujours là et qu'elle relève les défis avec les autres. Mais pourquoi on fait pas la paix avec eux? C'est pas toujours marrant de se faire la guerre. Mais on fait pas la guerre. On fait des épreuves sportives, tu sais, un peu comme Koh-Lanta à la télé. C'est vrai, j'en avais marre de cette petite guéguerre dans les bois. Chaque année, on faisait ça. Enfin, un changement. Et le changement, c'est maintenant. On peut être fiers. T'as de la chance d'être venu avec tes parents. Moi, je vais me farcir mes cousins. T'inquiète, t'es pas seul. Moi, je vais me farcir les bidouches. Mes parents, ils invitent souvent à bouffer. La dernière fois, j'attaquais mon dessert et le bien bidouche, lui, il s'attaquait les ongles des pieds. C'est vraiment dégueulasse de faire ça à table, non? Toi, t'as les bidouches, moi, j'ai les bidochons. Mais qu'est-ce qu'ils sont crades! Le matin, quand je veux prendre une douche, vaut mieux passer avant eux. Sinon, tu te laves à l'eau de mer, c'est moins crade. Toi, t'as les odeurs. Moi, j'ai le bruit. Le mobilhome des bidouches est juste à côté d'une autre. Et l'arrière bidouche, elle ronfle comme une vache. Mais tu sais ce qu'elle m'a dit, la petite bidouche? Je trouve que tu bronzes pas facilement. Mais moi, pour que je bronze, il aurait déjà fallu que je me mette au soleil. Et avec eux, j'ai pas le temps. Dis-moi, t'as pas entendu parler de Miss Tinguette? C'est le nom de la petite chienne des bidouches. Elle a une particularité, c'est qu'elle fait pipi partout, y compris dans le mobilhome. Hier, à la piscine, le gros putois de bidochon, il a fait une bombe. Résultat, j'ai bu une grosse tasse. Et là, je me suis dit, plus jamais de vacances en camping avec eux. Ah non, l'année prochaine, on ira à la montagne sans eux. Ça commence à me gaver toutes les épreuves. Mais bon, pour Kelvin, je fais l'effort. Et toi avec Geoffrey? En plein boom, oui. Mais faut pas trop gratter, puisque... Je te jure, Geoffrey est devenu complètement autoritaire. Des fois, j'ai l'impression que la seule chose qu'on a en commun, c'est de se connaître depuis la maternelle. Mais pourquoi tu t'attaches à lui? Tu vois bien qu'il patauge. Avec les mecs, faut savoir rester une fille libre. Tu viens à la boom ce soir? Oui, mais comment on y va à la boîte? On doit être accompagné par un parent et compte pas sur mes parents. C'est la mère de Jessie, Virginie, qui nous y amène. T'es sûre? Elle va pas nous faire genre à la dernière minute, j'y vais pas, tout ça?
Non, elle a super le moral. Allez, va te préparer à ce que tu trouves dans une heure. Dis-moi, j'espère qu'il y aura Jean-Marc. En parlant de Jean-Marc, il m'est arrivé un truc l'autre jour. Je te raconte pas. Eh ben, j'aimerais bien que tu me racontes, moi. Ah bah vas-y, dis-moi, c'est quoi? Tu sais qui est-ce qui m'a téléphoné? Qui ça? C'est Jean-Louis. Qui ça? Jean-Louis. Jean-Louis? Oui. C'est pas vrai, lui, il est grave. Vraiment, il est grave. Genre, il dit un truc intelligent, après il se retourne pour voir s'il y a pas quelqu'un d'autre qui l'a dit, tu sais? Ouais, et en plus, t'as vu tous les boutons qu'il a sur sa figure? Ah. On dirait une calculette, ce mec. Qu'est-ce qu'il dit? Tu sais ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il me dit, si on allait au cinéma voir Le Grand Bleu. C'est pas vrai, genre on l'a vu 10 fois à la télé et tout. T'es sûr? Oui, Le Grand Bleu avec une chaussure noire. Mais non, Le Grand Bleu avec les fruits de mer, les crustacés. Ah, d'accord, ah oui. Alors, je lui dis, bon, ben, il me dit, on va au cinéma. Je lui dis, non, tu vois. Bien sûr. Il me dit, je t'invite. Donc, logiquement, tu sais, je dis oui. Bien sûr. Et en sortant du cinéma, il me dit un truc, mais je te raconte pas. Ah bah j'aimerais bien que tu me racontes, moi. Mais si, je vais te raconter. Ah bah vas-y, dis-moi, c'est quoi? Il me dit, je vais t'embrasser. C'est pas vrai? Si, mais je lui dis, ah non, mais moi j'embrasse pas, moi je fais que des câlins. Bien sûr. Il me dit, ah bah alors on fait le câlin maintenant. Maintenant, tout de suite, et alors?
all yellow. So